pays au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. J'ai fait don à Barraqueville de ma collection de matériel cinéma et de films. Et dans ce cadre-là, la mairie m'a demandé de les aider à préparer cette ouverture de musée. Donc on a décidé avec la mairie de mener des actions de sensibilisation pour un peu informer le public de Barraqueville et des environs sur le futur musée. Et dans les actions qu'on a choisi de mener, il y a cette action de ce soir, voilà, qui est pour vocation aussi d'assurer la promotion du musée. Voilà, d'expliquer aux gens qu'un musée, c'est pas quelque chose de figé, que le musée va s'ouvrir, justement, il sera ouvert. Et dans les actions du musée, il y aura ce genre d'action en même temps, parce que derrière tout ça, il y a aussi le musée, mais il y a aussi un cinéma Barraqueville qu'il faut faire vivre. Et donc, une des vocations du musée et de notre association, ce sera aussi de faire vivre le cinéma local pour l'aider à éviter qu'il ferme un jour. C'est l'intérêt de ce genre de soirée, c'est le multi-partenariat d'à côté, mais en même temps, bon, comme c'est une soirée consacrée au cinéma, c'est renouer avec les débuts du cinéma, où ce qui se passait dans les salles de cinéma, il y avait toujours une première partie spectacle, il y avait un entracte, on passait des courts-métrages, des publicités, des films d'animation. C'est renouer avec cet esprit-là, voilà. Vraiment, voilà. Et donc, c'est un peu ce qu'on veut faire. Et ce qu'on fait là, à Barraqueville, c'est ce que font les amis à Campagnac, et c'est ce que je faisais moi avec mon association Champagne-Ardenne. Je faisais aussi le même principe. Voilà, parce que c'est ce qui... Si on fait uniquement un film, ça ne marche pas. C'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait un côté festif. Et l'intérêt du partenariat, c'est qu'en même temps, seul, on peut pas. Là, il faut vraiment être du monde, au niveau de l'organisation. Et là, c'est fabuleux parce que, avec l'association Abracadabra, c'est un gros coup de main qu'ils nous ont donné ce soir. Le groupe, pareil, en même temps, c'est montrer qu'on peut, le côté festif, qu'on peut en même temps faire du cinéma, en même temps intéresser un public autre et l'amener à voir le film après, quoi. Voilà, donc c'est l'intérêt de ce genre de projet. C'est le multi-partenariat. Ah, tout à fait, ça contribue à l'ouverture à la culture, tout à fait. Parce qu'en même temps, on s'aperçoit que. On peut d'un côté faire plaisir au public en leur proposant des films très grand public qu'ils ont l'habitude de voir, mais en même temps d'élever un petit peu en proposant d'autres films en disant au public, vous savez, le cinéma c'est pas que les grands films que vous voyez, des grands majors, c'est aussi des films d'art et essai, c'est aussi des films un peu plus intimistes, des films d'auteur. Voilà, c'est arrivé à ça, et en général il n'y a pas de problème quand il y a une relation de confiance entre le public et vous. C'est toujours payant à la longue, quoi. Je veux dire, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique, peu importe, je veux dire, on retrouve toujours la même problématique, quoi. C'est une question de confiance, et quand le public vous fait confiance, on peut, je veux dire, on évolue et le public évolue avec nous, quoi. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est la mairie de Barraqueville qui est l'organisateur de cette manifestation. Nous sommes les associations partenaires, quoi. Voilà, on a travaillé ensemble avec la mairie de Barraqueville, mais c'est piloté par la mairie de Barraqueville. Donc la mairie de Barraqueville, il y a un coût, il y a une dépense pour cette manifestation, et c'est assumé par la mairie de Barraqueville. Voilà, ce n'est pas gratuit, par contre. Voilà. La manifestation est gratuite pour les spectateurs, mais la manifestation, bien évidemment, tout ça, ça se fait pas comme ça, quoi.